Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une petite live construction et ça a l'air assez sombre. Il est pratiquement minuit et demi donc malheureusement oui je vais devoir faire ça maintenant étant donné que sinon j'aurai pas le temps de la convertir le lendemain pour pouvoir vous la poster aujourd'hui ou plutôt pas vraiment aujourd'hui mais aujourd'hui 24 décembre. Donc commençons tout de suite vu qu'on va parler du set Thunder Rider donc qui contient trois personnages même et deux véhicules. Donc hop, je vais pas vous montrer l'arrière parce que ça vous spoilerait un petit peu la chose, donc on va tout de suite. Donc, deux modes d'emploi, donc premièrement le mecha et deuxièmement les deux autres parties du set, donc des petits autocollants. Et on va commencer tout de suite, on ne va pas perdre de temps. Elle est bien protégée cette tête. Hein. Donc hop, ça a l'air d'être plutôt propre en fait. Hein. Donc hop, on va commencer par le Ninroid étant donné que vous l'avez déjà vu plusieurs fois. C'est pas exactement le même, mais bon, ça reste relativement la même chose. Alors ça, c'est les jambes de Cole puisque celles du Ninroid sont imprimées de cette manière-là. Donc elles sont assez jolies. Le torse ici, alors c'est l'inverse de celui de l'autre là je crois, du type dont j'ai plus le nom d'ailleurs. Et comme Loser Killer disait, la tête en effet est imprimée des deux côtés, mais pas pour avoir deux expressions, tout simplement pour avoir des détails à l'arrière. Et donc le nouveau casque que je n'avais pas encore, vu que c'est mon premier set Ninjago 2014, et probablement mon seul en tous les cas pour la première vague s'il y en a une seconde. Donc hop, je fais un focus mais ça sert absolument à rien. Bon alors ça, je vous la montre rapidement mais c'est Loser Killer qui l'a déjà faite. Hop. Donc, ah bah oui, mais si j'oublie le petit bandeau. Hop, le petit bandeau donc avec cette partie qui remonte. Hop, ça serait bien si j'essayais de mettre la tête dans le bon sens aussi. Oui. T'arrives à le mettre le bandeau là ? Ah oui, mais forcément, si je l'enfile pas dans le bon sens, lui aussi. Alors, hop. Et donc, la coupe de cheveux que vous avez déjà vue, avec la petite mèche sur le côté. D'ailleurs, il me semblait pas que Cole avait cette coupe-là dans la série au début. Donc, c'est possible qu'ils aient changé, parce que ça me parle vraiment pas autant. Celle de Jay me parle pas mal. Enfin, ça me rappelle des choses. Autant celle de Cole... Très classe le petit éclair aussi sur sa ceinture, vu que vous ne l'aviez pas vu celui-là normalement. Donc c'est comme ça. Comme ça. Il a son petit sourcil rasé ou abîmé en tous les cas. Hop. Non, j'ai dit un focus là plutôt. Non. Ok, il veut pas. Oh, 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 oh. Ça c'est du focus où je m'y connais pas. Hop, donc on a ça, et nos figurines sont faites, et ça fait déjà 4 minutes de vidéo, donc on va pas perdre plus de temps que ça. Et donc, oh, ça fait super bizarre ça, tiens. Elle est en marron foncé la pièce. Je suppose qu'ils avaient pas envie de la produire dans une autre couleur. Donc on commence avec ça, puis on prend cette nouvelle pièce, donc qui fait un tenon de haut au lieu d'en faire deux. Enfin, une brique de haut plutôt, au lieu d'en faire deux. Donc on a ça. Puis on vient prendre un petit peu les pièces pour que vous ayez un fond blanc pour la partie du véhicule de notre ami Cole, parce que sinon on n'est pas arrivé quoi.
Et donc on prend cette pièce là pour pouvoir faire du snot ici. Puis des petites pièces jumper, donc comme ça. On met une pièce là, une autre jumper juste au-dessus, puis une pièce comme ceci, donc en versable. Je vais essayer de faire un focus comme ça. Ouais, ça sera pas trop mal. Je croise mes bras pour pouvoir. Donc ensuite, on prend une petite pièce tile 1x2 tout simplement pour avoir donc la forme qui suit. Ça, on pose. Ah non, excusez-moi, on pose pas encore. Et oh, une nouvelle pièce avec un clip au milieu, c'est plutôt cool ça. Surtout que ça me semble assez utile en effet. D'ailleurs, je me demande pourquoi Lego l'a pas fait plus tôt. J'avais jamais pensé à cette pièce. C'est original. Je suppose qu'il y avait de la demande, hein, parce qu'à mon avis, une pièce comme ça, à part faire un jumper pour pouvoir l'utiliser, je vois pas trop comment on aurait pu l'avoir de cette manière-là, quoi. Donc une 2x3, puis une 2x6 avec ces petites pièces-là dessus. On vient placer ensuite, hop, deux petites pièces circulaires 2x2 jaunes, puis des bras comme ceci, et ensuite on vient prendre sur toute la longueur comme ça, et donc on a ceci, et hop au-dessus. Donc vu que tout est encadré, on vient prendre une pièce 2x6 marron qu'on place dessus pour solidifier le tout, et encore pour solidifier une tile 2x4 marron aussi, et donc on pose ça sur le côté et on commence les jambes. Donc comme c'est du x2, je vais peut-être le faire deux fois en même temps. Donc on prend des connecteurs comme ça, puis des pièces de snot sur les côtés. C'est vrai que c'est pas commun de le faire comme ça. C'est une bonne idée, tiens, j'avais pas pensé à ça auparavant. Enfin, c'est une bonne idée, je trouve que c'est une bonne idée, oui. Après, forcément, c'est un petit peu plus long, mais comme ça, au moins, on passe des petites pièces de... normalement, c'est des hublots, ça, en fait. Hein. C'est pas du tout utilisé pour ce genre de choses. Je suppose qu'ils ont utilisé ça pour remplir rapidement. Ensuite, on va prendre quatre petites pièces de ce style-là. Vous savez, les nouvelles pièces courbées. Et on va les attacher des deux côtés des jambes. Enfin, des pieds, plutôt, je devrais dire. À l'arrière, comme ceci. Ouais, par contre, c'est un peu cheapos d'en foutre que là. Donc on prend cette pièce là ensuite. Et ouais, on prend cette pièce là. Donc ça permet d'avoir le pied rapidement rempli en fait. Il me semblait qu'il y avait un écart de un tenon, mais non, en effet, tout va bien. Et puis on prend ces pièces qui sont normalement. Alors je sais pas si elles sont nouvelles, mais en tous les cas, c'est un spoiler. Et donc on en met en tout 4 pour avoir notre pied assez cool. D'ailleurs, j'aime bien cet effet un peu fragmenté. Hop. Est-ce qu'on peut les bouger? Ouais, c'est cool, on peut les bouger. Je pensais qu'ils seraient fixés en place grâce aux formes des pièces, mais non, absolument pas. Vous pouvez tout de suite les bouger. Donc, hop. Et on vient placer des os Hero Factory, mais ça je pense que vous les reconnaissez si vous suivez la chaîne, parce qu'à la base on a quand même créé la chaîne pour ça, donc le Bionicle et le Hero Factory, enfin, créé, c'était son utilité en tous les cas en 2009 et tout ça quoi. J'arrête de raconter des bêtises, il est tard, faut pas m'écouter. Donc on a notre robot qui a des pattes maintenant. Il y a des autocollants à coller sur les pieds, mais je ne vais pas le faire. Et on vient prendre ensuite des armures dorées de 3 qu'on vient placer comme ceci, donc pour avoir notre méca qui rend pas mal du tout. Hein. Donc on va recommencer 1x2 cette fois-ci pour les bras. Donc on prend à nouveau cette pièce-là en fait, sauf qu'on y rajoute ces pièces qu'on vient de voir d'ailleurs, des deux côtés. Puis une pièce simple 1x2
et une 1x2 avec du snot. Et alors ça, c'est une nouvelle pièce, encore une fois, que je ne connaissais pas et qui est assez cool. Et on va attacher dessus cette pièce de canon que vous connaissez un petit peu si vous avez fait du Exoforce ou... il me semble qu'elle était apparue plutôt... je crois que c'était dans... j'ai plus le nom en tête, c'est... mince, ça va me revenir. Hein. C'est Alpha Team, il me semble. Là, de tête comme ça, mais je me souviens plus. On place ensuite les petites lames dorées avec un angle. Donc, comme ça. Mais d'ailleurs, j'ai pas construit les deux bras en même temps, je suis bête. Bon, après, le bras est plus rapide que la jambe. Donc, on a ceci, ça fait un peu griffe de Wolverine. Et donc, on a notre pièce comme ça. Et on fait la même chose une autre fois. Là, je construis dans l'ordre que je pense être efficace. Avec les pièces qui me viennent forcément en main au bon moment, entre guillemets. Hop. Hop. Elle est vraiment cool cette pièce là. Je pense qu'il y a pas mal d'utilités possibles. Puisque la forme est un peu différente du reste, je trouve. Donc on a ça. On vient passer ça au-dessus. Et donc on a nos deux bras qu'on va attacher. Comme ceci. Et il rend mieux en vrai qu'avec les bras tout écartés et tout ça qu'on avait sur les images que j'avais pu voir jusqu'à présent. Et donc on va pouvoir placer les parties principales des armures. Donc on fait comme ceci. Et puis on vient passer ensuite ça, comme ça. Et ça, on l'enfonce. On essaye de l'enfoncer en tous les cas, comme ça. Et donc ça nous donne une épaulette et on va faire la même chose de l'autre côté. Si j'arrive à retrouver mes pièces, voilà. Et donc, bien entendu, sur ces grosses pièces, on va placer des autocollants que je ne mettrai pas, comme je disais. Mais ouais, ça prend du volume facilement, forcément. Celles-là, elles étaient utilisées dans des sets Racer, si je dis pas de bêtises, en 2008, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, on va continuer avec... Ah, et d'accord, je comprends mieux pourquoi... Donc ça, c'est les pièces guidons de... Comment elles s'appellent ? De Friends. Donc on prend cette pièce, on y place deux sabres laser de cette manière là. Donc ils sont dorés, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran. D'ailleurs je réalise qu'il y a une pièce qu'on n'a pas utilisée. Ah oui, j'ai dû les oublier en effet. Je me disais, ça semble logique en effet à l'arrière des pieds. Je sais pas pourquoi je les ai oubliés d'ailleurs. Ça me semble bizarre de ne pas les avoir vus deux fois quand même. Même si j'ai construit en même temps les deux pieds. Donc on construit ça, on a une forme assez sympa d'ailleurs. Et on va pouvoir attacher ça sur le clip qui est là. Je pensais qu'il servirait à autre chose, mais non, c'est bien ça. Et ensuite on va prendre la part de 3 avec cran d'arrêt. Comme ça, on en fait 2. Et d'ailleurs on aura fini vu que ce sera la dernière étape du sachet. Et on va enfiler ça à l'arrière. Et en fait, c'est les pièces avec les ball joints qui ont des trous cruciformes en fait qui permettent d'attacher ça comme ça. Et donc, on va pouvoir mettre colle dedans. Ouais, c'est ça, ils nous disent de mettre colle dedans. Donc, on va faire ça. Bon, je vais le mettre comme ça pour le moment. Je vais pas essayer d'attacher. Donc, on a un méca qui est pas mal en fait, hein. Bon, c'est pas la même chose que le mecha de Kai, forcément, même s'il est plus articulé. Mieux articulé, pas plus articulé. C'est les mêmes articulations, mais elles sont mieux optimisées. Je vais lui mettre une petite pause rapide. Et on va passer tout de suite à la suite. Est-ce qu'on fait maintenant la suite, ou est-ce que je coupe en deux, pour être tranquille? Je vais couper en deux, je pense. Ce sera plus simple, à mon avis. Donc... Pour rappel, on a fabriqué celui-ci, mais on a aussi fabriqué nos deux petites figurines de Jay et du Nindroid. Nindroid, je crois. Hein. Je vais vérifier.
C'est indiqué sur le packaging normalement. Ouais, c'est ça, c'est Nindroid. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la suite avec le véhicule de Jay. Donc, allez, à tout de suite.